prix à dépenser, 1 207 €. Bon, mes chers amis de Facebook, bonjour, excusez pour mon visage. Je ne suis pas tout que maquillée en ce moment. Voilà, je fais cette vidéo parce que l'heure est grave. Regardez ce monsieur. Je vous le montre. Il s'appelle Kone. Kone Brahim. Voilà. Je vous explique maintenant. Mike le Bosso. Attendez, j'ai porté mes lunettes parce que mon visage est vraiment fatigué. Vient de me lever. Le monsieur que je viens de vous montrer ne veut pas donner mon argent. Je vous explique. Je vous explique. L'heure est très très grave, mes amours. L'heure est plus que grave. Mike le Bosso, je l'appelle, il ne décroche pas. Il m'a fait venir en Europe pour ma tournée européenne. Il m'a fait venir pour ma tournée européenne. Et avant de venir en France, je suis partie aux Maldives. À mon retour de Maldives, il y a Mike le Bosso qui me dit de payer mon billet d'avion pour venir, qu'il ne pourra pas payer mon billet, que l'argent qu'il a sur lui là, c'est pour juste prendre ma résidence, que si je viens, il va me rembourser. Mes amis, mes connaissances m'ont dit, ma gorge est sèche, attendez que je bois l'eau. J'ai pas l'habitude de... Voilà. Ouais. Mes amis, mes connaissances, je suis sur le Facebook de mon administrateur, madame, son Facebook, pour qu'elle puisse faire la vidéo. Mes amis, mes connaissances, ils m'ont dit de ne pas payer mon billet. C'est la personne qui t'envoie, c'est lui qui doit payer. Quand je suis arrivée en France, nous sommes allés à Nantes. De Nantes, nous sommes partis tout en Italie. Le promoteur n'avait pas donné mon argent de billet ni pour les prestations. Je n'ai pas voulu en parler. C'est ce qui a fait que depuis que je suis arrivée, je suis un peu calme. Donc, quand nous avons quitté l'Italie, nous sommes venus tout en France. Le promoteur m'a envoyé chez une amie en attendant de trouver une résidence. C'est comme ça qu'il a contacté un monsieur, le monsieur que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle Kone Brahim, dit Ibe, pour qu'on vienne, pour qu'il me loue, pour qu'il me loge dans la résidence du monsieur. Nous sommes arrivés. Quand nous sommes arrivés, il appelle le monsieur pour 2 semaines. Maintenant, il se trouve que Mike le Bosso m'enfermait tout que dans la résidence qu'il a pris, où lui-même il dormait avec moi. Je lui ai dit, c'est pas possible. Ça, c'était devant le monsieur mais que je vous ai montré. Je dis, mais je ne peux pas venir. Tu ne peux pas me loger quelque part, puis toi, mais tu vas dormir là-bas. Que ça ne se fait pas. Mes amis, je ne peux pas enlever mes lunettes. Je ne suis pas maquillée. Je suis tellement dépassée. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas me loger quelque part, et puis toi, mais tu vas dormir là-bas. C'est ça, Mike dit qu'en Europe, là, on s'entraide. Même chez moi, moi je dors seul, je fais des tournées partout, me loge dans les hôtels 5 étoiles. Quand je venais, normalement, c'était dans un hôtel luxueux que tu devais me loger. Pour finir, je m'envoie chez quelqu'un. Et même celui-même qui nous a donné la résidence, que je vous ai montré tout à l'heure, M. Kone, a dit non, ce n'est pas grave d'accepter, Mike va dormir dans le salon. Et comme je n'avais plus confiance en Mike, je disais à Mike de donner mon argent de billets et mes prestations, qui me les donne. Mike ne voulait pas me les donner. Jusqu'à ce que j'ai une prestation à Paris. Quand j'ai eu la prestation, quand j'ai eu l'argent, M. Kone, que j'appelais mon père, avec Mike, nous sommes venus. Quand on a fait les calculs, j'ai dit à M. Kone devant Mike de garder mon argent. Que je n'ai pas confiance à Mike, devant Mike, que je n'ai pas confiance à Mike le Bosso, faut pas mon argent va disparaître comme mon argent a disparu au Burkina. Donc c'est comme ça que j'ai fait confiance à M. Kone pour qu'il garde mon argent. Ce jour-là, il a gardé 920 €. Parce que devant lui-même, j'ai dit que je ne veux pas que Mike garde mon argent pour ne pas que mon argent disparaisse. Je m'excuse encore pour cette vidéo parce que l'heure est très grave.
leur est très grand. Celui en qui j'ai fait confiance, que j'appelais mon papa, il a gardé mon argent. Il a trouvé une autre prestation pour moi. Il reste encore 300 euros, puis il dit qu'il a donné 200 euros à Mike dedans. Donc en tout, ça fait un total de 1220 euros. Je lui demande mon argent aujourd'hui. Comme il veut sortir avec moi, je ne veux pas coucher avec lui. Je lui demande mon argent aujourd'hui. Il me dit que lui, il m'a nourri. Parce que là où il me loge, là, Mike Le Bosso ne me nourrissait pas. Mike Le Bosso ne me nourrissait pas. Il ne me donne pas à manger et il m'enferme dans la maison. Donc c'est comme ça, celui qui est plus comme mon papa venait me chercher les soirs pour m'envoyer dans un restaurant africain pour manger. Déjà, c'est parce qu'il avait quelque chose dans la tête, il voulait sortir avec moi. Moi, je ne savais pas. Parce que dans le début, il me disait que non, lui, il ne sort pas avec les artistes, il n'aime pas les artistes. Et pour finir, le monsieur a montré qu'il veut sortir avec moi. J'ai dit non, je ne veux pas, je ne dépends pas comme mon papa. Pendant que mon argent est toujours avec lui. Pendant que j'étais dans la souffrance en Europe ici, j'appelais mon ami qui m'a envoyé aux Maldives. Je lui ai dit que ça ne va pas du tout ici. Que ça ne va pas, il n'a qu'à venir à mon secours. Et il est venu le week-end. Il m'a pris, un hôtel pour 2 jours et il m'a donné une enveloppe. Il a dit ok, merci. Donc, comme mon père a toujours, celui que j'appelle Monsieur Kone, il a toujours mon argent. Je suis venue chez lui. Je vais vous montrer mes affaires. Voici mes affaires. Voilà, c'est chez lui ici. Et le voilà au balcon. Et comme je ne veux pas sortir avec lui, il dit que mon argent qui est avec lui, là, que moi, depuis que Mike m'a logé ici, là, quand lui venait me chercher pour aller me faire manger, là, que ce n'était pas gratuit. Que ce n'était pas gratuit, que c'est mon argent que moi je lui ai donné là. C'est dans ça que lui, lui va prendre mon argent là, que c'est ça qu'il va prendre pour la nourriture et le transport. Il a dit, le père, connais, on ne t'a pas forcé à payer ma nourriture. On ne t'a pas forcé à venir me chercher pour me nourrir. Excusez ma face, hein, mes bébés. Je suis tellement, je ne suis pas maquillée, je viens de me réveiller parce que je l'ai appelé pour dire qu'il n'a pas donné mon argent. Et il me dit que lui ne peut pas donner mon argent, que lui m'a nourri, comme si on l'a forcé. Lui vient me chercher. En tout cas, c'est très honteux. Donc, comme je suis encore chez lui, je lui ai dit, n'a pas donné mon argent, moi je vais partir. Il vient, il dit que pourquoi j'ai enlevé la clé sur la porte. Il dit, j'ai enlevé la clé sur la porte parce que mes affaires sont encore chez lui. Et il a appelé la police, tout ce que la police est venue me mettre dehors. Aujourd'hui, là, le sang va couler, mes bébés. Le sang va couler parce que moi, mon argent va sortir. Mon chéri, là, il m'a donné l'argent. Hein. Mais l'argent qui est avec le père qu'on est là, c'est l'argent de ma souffrance. Moi, j'ai mal au pied, vous le savez, j'ai fait un accident au Maroc. Et puis, je suis tombé à l'aéroport. J'ai mal à la cheville. Excusez-moi s'il vous plaît, mes bébés. Excusez-moi s'il vous plaît. J'ai mal à la cheville. L'argent de ma souffrance, plus de 1000 euros. L'argent de ma souffrance, plus de 1000 euros, il dit, ne me donne pas. Il dit, ne me donne pas, il appelle la police. C'est pour ça que je fais la vidéo. Trop, c'est trop, il faut que ça s'arrête. Si le sang doit couler, ça va couler, mais mon argent va sortir. Je préfère prendre cet argent-là pour donner aux orphelins que de laisser cet argent-là à ce monsieur-là. Depuis que je suis arrivée en France, je ne voulais pas vous faire part de ce que je traverse ici. Je n'ai jamais autant souffert de ma vie, jamais, jamais. Les gens de l'Europe, là, ils souffrent beaucoup. En Afrique, là, mais moi, je m'en sors. Je fais mes tournées, je voyage partout. Ils sont ici, ils font croire aux gens que ça va. Ça, ça ne va pas chez eux. Quand ils touchent ton argent, ils ne veulent pas te donner. Je ne suis pas une affamée, mais mon argent, c'est l'argent de ma souffrance. J'ai dansé sur scène. Les gens travaillaient sur moi. J'ai eu confiance en lui. J'ai dit, garde, pour ne pas que Mike bloque mon argent. Pour ne pas que Mike Le Bosso bloque mon argent. Et puis lui, que je prends pour mon père,
Il ose dire qu'il ne lui donne pas mon argent, que lui m'a nourri. Et puis il a payé 30 ans pour venir me chercher, qu'il va enlever ça de mon argent. Il dit, c'est pas possible, tu vas donner tout mon argent parce qu'on t'a pas forcé de me nourrir. Donc c'est ce message que j'avais. Donc pour finir, avant que je ne suis plus à la charge de Mike Le Bosso depuis 5 jours, parce qu'il ne peut pas me nourrir, il ne peut pas me loger, il ne peut rien faire. Moi, j'ai laissé, je l'ai pardonné. Mon agent Mike, il a donné l'avance. Il n'a pas donné la totalité. Mais j'ai laissé. Le reste, il n'a qu'à prendre. Mais l'agent que j'ai chez M. Koné, là, il faut qu'il donne mon agent. Donc, j'attends la police. Nous sommes en direct. Il a appelé la police. J'attends que la police vienne. Je vais vous montrer. C'est tout, mes bébés. Excusez-moi si je pleure. C'est la première fois que je suis aussi bouleversée. Je ne voulais pas faire cette vidéo. Mais comme il ne veut pas donner mon argent, puis c'est lui qui appelle la police. On va voir. C'est Mike qui avait raison. Quand il est arrivé, Mike a dit que le monsieur là, il est fan de toi. Il a dit non, il n'est pas fan de moi, que c'est mon papa. C'est Mike qui avait raison. Mike m'a même appelé la femme du monsieur. Pour lui dire que ton mari, là, il est fan de Doxy. Il a dit non, Mike, il ne faut pas faire ça. Déjà, c'était la vérité. Comment toi, tu avais dit chercher quelqu'un parce que son promoteur ne la nourrit pas. Et puis aujourd'hui, comme ça te fait mal, la fille n'est pas sortie. Toi, tu vas venir dire que c'est quand il était nourri, là, j'enlève ça dedans. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Le sang va couler aujourd'hui parce que c'est l'argent de ma souffrance. Tout va sortir. Tout va sortir. Non, je ne coupe pas, j'attends la police. Si c'est coupé, c'est que mon internet est fini. Parce que je partage la connexion. Si ça se coupe, moi j'attends la police. Il dit qu'il appelle la police pour venir me faire sortir. Il dit, il n'y a pas de souci, mais mon agent là, doit sortir avant que moi je quitte chez lui ici. Mon grand frère papa, il l'a informé de tout. Il m'a dit, non, je vais t'envoyer chez une de mes amies. Tigor, mes frères, là, je vais t'envoyer chez des amis. Même la grande soeur Adia, si ça a dit, elle doit aussi venir chez moi. Il a dit, non, je ne peux pas aller chez quelqu'un. Je me respecte trop. Pas parce que je ne considère pas ces personnes, mais faut pas, les gens vont dire demain que, ah, elle est venue en Europe, elle a eu des problèmes, puis c'est moi qui l'ai hébergée. Ça, je ne veux pas entendre de quelqu'un. C'est pour ça que j'ai attrapé mon cœur avec fil de fer. Sinon, j'ai travaillé. Toutes mes prestations ont été très réussies. Au début, Matt ne voulait pas donner mon argent. J'étais très fâchée, mais il m'a donné l'avance une partie. Maintenant, la personne qui a gardé mon argent, Matt était témoin. Quand je donnais mon argent au monsieur, j'ai dit non, il n'a qu'à garder. Puis je le considère comme mon papa, je l'appelle papa. Que Mike garde. Faut pas que mon argent va disparaître. Mike me disait, mais que moi, je le prends pour un voleur. J'ai dit non. Faut pas que mon argent va disparaître. Déjà, moi, je pensais que Mike est maudit. Hein. Mais je suis tombé plus maudit que Mike. Et j'appelle Mike. Mike me dit. Mike, je l'appelle, il ne me décroche pas. Il me dit, moi, de lui envoyer un message. Il me dit, moi, de lui envoyer un texto. Il envoie un texto que ah, le monsieur ne veut pas donner mon argent. Il dit, moi, je ne connais pas le monsieur, mais ça coche au monsieur. Donc, c'est le morceau qui est là. C'est la police, la maman, que moi, j'attends pour filmer. C'est ça. C'est ça. Le voilà, je vous le montre encore pour que vous le connaissiez. Le plus grand malhonnête de l'univers. Il vient me chercher pour me nourrir. Et c'est lui qui dit que moi, je dois rembourser ça. Comme si je l'ai forcé à me nourrir. Je n'ai jamais vu ça. Les gens de l'Europe souffrent. Ils souffrent. Ils vous montrent des trucs sur les réseaux sociaux. Ce sont des grands veilles. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien dans leur cuit. Ne les enviez pas. Ils souffrent. On ne t'a pas forcé à me nourrir. On ne t'a pas forcé. Toi-même, tu viens me chercher pour dire qu'on allait manger. On s'en mange. Puis aujourd'hui, je te dis, donne mon argent. Et tu vas me dire que tu vas prendre tout ce que tu m'as nourri. Tu vas prendre ça de mon argent parce qu'il avait mon argent sur lui. Mais quand c'est comme ça, tu veux prendre l'argent de la personne pour la nourrir. Tu dis que ah, c'est ton argent pas pour te nourrir. Tu ne dis pas ça. La fille ne veut pas sortir. Toi, puis aujourd'hui, tu vas venir dire des choses qui n'ont aucun sens.
Tu as venu dire des choses qui n'ont aucun sens. C'est le policier là que j'attends. Excusez-moi encore parce que j'ai pleuré devant vous. Excusez-moi, mes bébés. C'est la police là que j'attends. Donc, restez connectés. Restez connectés. Restez connectés. Donnez mon argent. Il est parti. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu ton appel. Mes lèvres sont sèches. Moi, j'ai fait calcul. Hé, hey, Mike, c'est toi qui l'as envoyé. C'est toi qui l'as envoyé. C'est à toi. On reconnaît que c'est moi qui m'a envoyé. Mais c'est toi qui m'as nourri. Je ne suis pas dernier plus de la terre. Moi, je ne suis pas maudit. Non, je n'ai pas dit, moi, je ne suis pas maudit. Les voilà. Moi, je ne suis pas maudit. Voilà. On ne t'a pas forcé à nourrir quelqu'un. Comment toi tu as venu moi me dis moi l'argent de ma souffrance, je me mets à danser, mes pieds me font mal. Mes pieds me font mal, je danse, plus en Europe, si je ne peux pas me déplacer, mes danseurs, mon père me fait mal, je te fais confiance, garde mon argent pour ne pas que mon argent disparaisse. Aujourd'hui, tu vas venir me dire que mon argent, ce que toi tu m'as nourri, que on a mangé ensemble. Nourriture même là, tu as payé pour Mike aussi. Si quelqu'un doit rembourser la nourriture, c'est moi que tu gères ça. C'est moi qui m'a fait venir, donc c'est moi que tu gères ma nourriture. Moi qui est censé s'occuper de ma nourriture, même s'il ne l'a pas fait. C'est pas aujourd'hui que tu as venu me dire que nourriture que toi tu as payé, tu as levé dans mon argent. Tu me dois 1220 euros, tu vas me donner. C'est pas beaucoup, 1220 euros, mais c'est beaucoup. Je préfère prendre cet argent, aller faire des dons à l'orphelinat, que de laisser ça. J'ai cru que Mike était le plus mauvais. J'ai cru que Mike le bosseau était le plus mauvais. Mais j'ai pardonné à Mike. Tout ce qui m'a fait, je me suis dit qu'il y a les réalités ici en Europe. Tout peut pas être rose. Ils font croire que ça va, quand ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde peut avoir des difficultés. Mais tu peux pas te faire passer pour un papa. Et puis derrière, toi, tu as bloqué l'un des gens parce que la fille ne veut pas sortir, toi. Pourquoi? Moi, je te dois pas, je n'ai jamais pris l'argent avec toi. Je n'ai jamais pris l'argent avec toi. Tu dois donner mon argent. Les policiers n'ont qu'à venir. Tu mens. Ça, mais tu as fait, je vais dire ça. Je vais dire ça ici. Tu as fait partie, Mike. Moi, tu as dit le contrat finit le 10. Tu as dit, il y a 10, ça, il va entendre. Tu as dit que le contrat finit le 10. Je t'ai dit, moi, je ne peux pas suivre Mike parce que Mike, là, il ne me nourrit pas. C'est comme ça que tu as dit, il faut me déposer à Lyon. Toi-même, là, de ta bouche, tu as dit que tu allais me loger à l'hôtel. Toi-même, tu as dit que tu allais me loger à l'hôtel. Tu as fait croire à Mike que ton ami vient pour le chasser. Tu as venu changer, tu as venu mentir sur moi. Moi, les fans, là, ils savent que moi, je ne fais jamais de vidéo pour dénigrer quelqu'un. Ils savent que je ne fais jamais, je n'ai jamais mal parlé de quelqu'un, ni m'occuper même de la vie de quelqu'un. Jamais, mais toi c'est trop, mon argent tu vas me donner. Tu ne donnes pas l'argent des gens et puis tu veux faire sortir la personne. Oh. Je n'ai rien bouffé, tu vas donner mon argent. Je n'ai rien bouffé, tu vas donner mon argent. Au nom de tout ce que j'ai dans ma vie, sinon le sang va couler. Non, il a déjà... Montre ton visage. Je n'ai jamais donné dans mon argent. Mais toi, tu es un menteur. Non, tu es un menteur. Tu es un menteur. Elle dit d'enlever mon argent. Tu es un menteur. Parce qu'elle a la gueule de faire les trucs pour dire que ouais, c'est un grand menteur, ce monsieur. C'est bien. Tu es un grand menteur. Quoi? Non. N'importe quoi. Tu avais raison. Tu avais raison. Toi-même, tu as dit qu'elle. N'importe quoi. Elle est plus que ça. N'importe quoi. Elle son ingrat. Tu as dit ça le jour avec des loups qu'elle ne l'appelle même pas, il ne faut pas. Alors, Eloge là, c'est mon frère. Il ne m'a pas appelé. Si moi je vois la paix de Loge là. Si moi je vois la paix de Loge, je le rappelle. C'est toi qui es malhonnête. Comment toi tu peux confisquer l'argent de la sueur de quelqu'un? Tu fais
N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est la police, on attend. C'est faux. Tu mens. C'est faux. C'est moi qui appelle la police. Non, c'est moi qui appelle la police. Elle m'a appelé. Je suis venu calmement. Je viens, elle enlève la clé. Elle enlève la clé, elle bloque la clé. Je suis là. Je suis à la maison. Oui. Non, je ne sais pas pourquoi tu l'appelles sur son téléphone. Tu l'appelles pas sur mon téléphone. Tu ne peux pas l'appeler. Il ne faut pas demander. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a rien. Le côté qui était compliqué, c'était pour ma femme. Donc, du moment où elle m'a dit, elle me comprend. Elle sait que je n'ai jamais bouffé 5 francs de quelqu'un ici. Donc, on ne me prend pas pour un bouffon. Mon argent va sortir. Non, on n'a pas besoin d'explication. Je suis venu à la veille, la clé. Je suis rentré, je dis, mais où est la clé? Et non, elle a bloqué ça. Je dis, ah, donc c'est qu'elle est bien sur la clé. Je suis en Europe, mais surtout, c'est qu'elle connaît du monde là-bas, courage. Elle est tellement dépassée. Appelle-la. Les garçons sont tellement résistants. Tu donnes mon argent, je pars même à l'instant. C'est mon argent que j'attends, c'est de ça qu'il s'agit. En Europe, je ne peux jamais dormir dans les rues. Jamais. Ça ne va jamais exister. Tu donnes mon argent. Je t'envoie un message. Ah, j'ai besoin de mon argent. Mon fils a eu son examen. Je vais aller payer des choses. Il m'envoie un message. Il me dit que tout ce que la nourriture, la paie, le transport, là, lui, il a enlevé ça dedans. Oh, foutaise. Foutaise. Moi, j'ai venu souffrir, avoir mon argent. Et toi, tu vas venir prendre ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu n'as pas 800 euros, hein? 1220 euros. Il est très méchant même. C'est bien, toi tu avais raison. C'est bien. Très très méchant. Je souffre pour avoir mon argent. Je lui dis garde mon argent pour ne pas que ça disparaisse. Ah. Et puis il va venir me dire aujourd'hui que ce que tu as mangé, je suis venu te chercher pour manger là. On va enlever dedans et puis transport. C'est causerie, mais c'est foutaise. Oui, quand on a fini la prestation, ne pleure pas, oh, mes bébés, merci, ne pleure plus, mes lèvres sont devenues sèches. Oh. Donc on attend la police.